Coucou, c'est Patty. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vais faire une petite carte dragon. Donc, j'ai pris une base de cartes craft de 12 ennemis par 15. J'ai fait une bordure de papier efferrouillé de 1 cm. Et j'ai posé ma carte, c'est des fonds que j'avais, hein, qui fait 10 et demi par 13. J'ai rouillé mes perles, hein, elles étaient roses, enfin fuchsia, donc je les ai avec la peinture noire et marron. Voilà. Donc, j'ai fait mon hall Temu où j'avais des ailes. Je vais coller mes ailes. Alors attendez, je vais prendre un papier. Un papier quelconque. Je vais prendre une éponge. Je vais prendre de la colle à bois. Et hop. J'en mets un peu sur mon papier. J'en mets sur mes ailes pour les coller. Hop. J'en mets une ici. Petit chiffon. Oh, je trempe ça dans la colle, moi. Là. Que je me mette bien. On va remettre un peu de colle. Je viens la mettre ici. Espérons que ça colle bien. Normalement, il n'y a pas de souci. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Il fait beau. Ça change un peu de la semaine dernière. Ensuite, on met mon papier pour pas faire de bêtises. Ensuite, je vais poser mon engrenage que j'ai fait efferrouiller et j'ai mis des petits engrenages que j'avais achetés, hein. Des engrenages comme ça. J'en ai collé un au milieu. Donc celui-là, hop, on met de la colle partout. Parce que comme mon papier il est embossé à froid, donc je le pose. Alors attendez, je ne fasse pas de bêtises, j'aurais dû mettre celui-là en premier. Allez, on met celui-là en premier, sinon ça va pas aller. Allez, hop. Les petits points partout. Voilà, donc j'ai causé de mettre celui-là là, au bord comme ça là.
Ça a du mal à prendre avec le gaufrage. Donc celui-là, il vient là s'emboîter dans celui-là. Alors là, je me suis servi des engrenages de la montgolfière, des engrenages que j'avais achetés déjà avant. Enfin, j'ai pris plusieurs engrenages. Ensuite, j'ai celui-là que je pose. Et le temps, c'est un coup gris, un coup chaud. On attrape du rhume, hein. Donc ça, je vais l'emboîter ici. Hop. Ensuite, j'ai dit que j'allais mettre une petite chaîne en haut. Juste là. Hop là. Parce que je vais mettre ça. Donc c'est un petit rond, hein, avec un engrenage. Petit engrenage que j'ai acheté. Je vais poser ça là. Ensuite, celui-là, il doit venir ici. Parce que j'ai fait... Attendez, je vais me faire voir. J'avais acheté un moule dragon, et je l'ai fait avec la pâte durcissante de chez Action, la pâte blanche. J'ai passé des peintures métallisées dessus. Donc je vais poser. Normalement, il vient. Il vient. Ça va pas aller là. Je vais enlever ma chaînette parce que ça va me gêner. Donc, je le mets là. Donc, ça, je vais le poser. Tac. Je le colle qui s'emboîte ici. Il s'emboîte sur celui-là. Lui, il vient là. Je le mets plus bas. J'arrive jamais à reposer comme il faut, comme je fais. Hein. Je vais le mettre là. Allez, hop, on va pas réfléchir. Sinon, ça va durer trop longtemps. On met partout, hein. Il faut que je recommande de la résine blanche. Donc lui, j'ai dit qu'il venait
comme ça là. On va attendre un peu que ça prenne. Ensuite, j'ai fait des flammes. J'ai fait des flammes. Donc, les flammes, je vais les mettre là. J'en mets une ici. L'autre. On la met là. Je la mets ici. Comme ça là. Et là, j'ai fait ma petite horloge. Enfin, mon petit truc là. Je voulais mettre ma chaîne, mais... Ça va pas aller la chaîne. Je la colle comme ça là. On met ma chaîne là. J'ai un petit bout qu'il va falloir que je coupe. Et ça, je le mets. Ici. Oui, je vais le mettre là. C'est qu'on la voit quand même un peu, hein. Parce que là, elle n'est pas bien grosse, hein. Je vais couper le bout de ce dos. Il est là. Il y a là en trop. Tac. Il faut que ça prenne ça. Voilà. Donc ici, je voulais mettre un truc, mais je peux pas. Voilà ce que ça donne. Ma petite carte dragon. J'espère que ça vous a plu. C'était vite fait. Et bien souvent, je reprends derrière. Des fois, je fais un tuto. Et mes créations, j'y reprends un peu derrière. Parce que je me dis, tiens, ça, je pourrais mettre ça là. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.